Car une fois seuls, nous pouvons, si nous le voulons, nous laisser aller sans tomber, parler à voix basse, sans qu'on se moque de nous, lire tout haut en adoptant tous les tons, regarder fixement une image pendant un temps déraisonnable, nous allonger nus, par terre, sur ce dos qui devient comme un banc, nos yeux grands ouverts mais sans nous contraindre à voir, dévirer tel ou tel souvenir, comme si c'était un fruit, pour ne garder que la saveur, en oublier la forme, l'illusion de pérennité. Entretenir un dialogue muet avec notre père, salaud, notre mère, revient, un ami qui resterait muet, en toute quiétude et en tout pardon. Bref, prendre tout simplement la pleine et pragmatique mesure du peu que nous sommes, et en tirer néanmoins un plaisir d'un genre nouveau, le plaisir qu'il y a à ne pas s'excéder, à coïncider naïvement avec soi, ou plutôt avec tout ce qui dans l'instant se sédimente en nous, et nous permet d'avoir l'impression, un court instant, d'être ici, invité dans notre propre présence comme à une fête qui est déjà finie, mais qui, parce qu'elle est précisément finie, est devenue un moment particulier où se mêlent la fatigue et le soulagement.